Alors, donc, rebonsoir à toutes et à tous. Ceci est l'un des tests son réalisés avant le début donc du webinaire. Bienvenue donc au Centre de formation Welltrain Institute. Ce soir, donc, je vous présente la méthode Ichimoku Kinkoyo dans votre logiciel OneMaster XE. Donc, alors, pour ceux qui viennent d'arriver, me mettre un OK ou un oui, ou même ceux qui sont là depuis le début, pour être sûr que vous m'entendez correctement, c'est surtout très important pour ce soir. Donc, alors, comment va se dérouler la formation? Vous allez voir très très simplement, comme d'habitude. En premier lieu, donc je vais vous expliquer un petit peu l'historique. C'est toujours bon à savoir. D'Ichimoku qui durait très très long. Ensuite, on va. Alors attendez, on me dit que le son est un peu fort. Voilà, je vais baisser un petit peu. Ensuite, je vais vous présenter donc chacun des indicateurs utilisés dans la méthode Ichimoku Kinkoyo. Donc en fait, tout ce que vous voyez à l'écran. En parlant d'écran, justement, je vais tenter également de vous faire participer tout au long du webinaire. Pour ça, vous avez deux possibilités. Vous avez le dialogue en direct qui se trouve à droite, ou autrement, le clic de la souris. Par exemple, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer à l'intérieur du nuage de Kumo, donc en fait, c'est la bande de Bollinger à la japonaise. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, et donc là, vous voyez apparaître votre fléchette avec votre nom, pseudonyme, juste à côté. Donc, alors, je vous poserai des questions. Tiens, où se trouve ceci, où se trouve cela? Et moi, ça me permet surtout de voir que vous voyez bien la même chose que moi et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc alors, en 1, historique d'Ichimoku plus présentation donc de tous les indicateurs présents dans la méthode. D'accord? Et ensuite, donc, eh bien, on verra comment détecter les phases de tendance haussière, les phases de tendance baissière, et surtout les trois phases les plus importantes d'Ichimoku Kinkoyo, qui sont donc les prémices, l'indécision et la confirmation. Donc alors, on va pouvoir maintenant débuter. La technique d'Ichimoku Kinkoyo, c'est vraiment un outil, une méthode d'analyse technique, et c'est encore donc aujourd'hui donc une méthode communément utilisée vraiment au Japon et sur les marchés asiatiques. D'accord? Ichimoku, ça signifie un coup d'œil. Kinko, équilibre, et yo, courbe. D'accord? Donc, un coup d'œil sur l'équilibre de la courbe. D'accord? Le nom de la technique peut se traduire donc comme ça, très simplement. Alors, c'est une méthode qui s'applique également sur les chandeliers japonais, bien entendu, plutôt que les bar charts quand même. La méthode Ichimoku Kinkoyo, elle a été publiée aux alentours de 1969 par un journaliste japonais qui est donc Goichi Osoda. Il souhaitait développer ce qu'on appelait à l'époque un méta-indicateur qui pourrait fournir aux traders quatre points essentiels. Des niveaux de support-résistance, des points d'entrée et des points de sortie, donc de trading. La direction, bien sûr, de la tendance. Et surtout, la force des signaux. Okay? Alors, je vais vous montrer aussi des petites anecdotes tout à l'heure, parce qu'au niveau des indicateurs techniques utilisés, bien sûr, il y a des paramètres, un peu comme vous connaissez la moyenne mobile. On va prendre une moyenne mobile 10, 40, 60, 200, les choses comme ça. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il faut savoir aussi une dernière chose au niveau de l'historique, et là, ça concerne surtout Waldata. C'est-à-dire que Waldata, nous étions l'un des premiers, en 2008, à sortir donc la méthode Ichimoku Kinkoyo dans votre logiciel Wellmaster Trader à l'époque, donc en 2008, puisque le XE n'existait pas, et nous étions surtout les premiers à publier la méthode en français, d'accord? Donc c'était en 2008, et si vous voulez vérifier ça, il y a juste à aller dans les newsletters, et vous regardez, il me semble que c'était donc février, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'était mars, c'était le 14 mars 2008, où on a sorti la première newsletter concernant Ichimoku Kinkoyo, donc on était vraiment les premiers là-dessus. Aujourd'hui, donc, on revient sur cette méthode parce qu'elle est beaucoup utilisée, entre autres, donc, sur le forex, pour du court terme, voire très très court terme, mais aussi sur du moyen long terme, comme tout ce qui est actions, Euronext et des choses comme ça. Alors, dans la méthode Ichimoku Kinkoyo, il y a plusieurs indicateurs qui sont utilisés. Il y a, alors, je vais revenir dessus, vous inquiétez pas, mais déjà, je vous donne les termes. Il y a le Tenkan, le Kijun, le Shiku, le Senkun A, le Senkun B et le Sekuspan, ou encore appelé donc le nuage de Kumo. Pour bien comprendre comment est réalisé chacun des indicateurs, eh bien, je vais me permettre de dessiner sur l'écran.
tout bêtement, pour que l'explication soit au plus clair et un petit peu vulgarisée aussi, parce qu'on trouve des choses sur Internet, mais je trouve que ça peut être vraiment complexe, en tout cas, à l'étude d'une simple courbe, en fait, si vous voulez. Alors, je vais prendre une valeur au hasard, c'est juste pour présenter l'indicateur. Je vais grossir à fond mes chandeliers, comme ceci. Voilà. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le Tenkan. Le Tenkan, donc, c'est la courbe qui est orange. Est-ce que vous voyez bien la courbe orange, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît? Allez-y, hein. Moi, plus il y a de clics, plus je suis content, ça montre que vous voyez bien la même courbe que moi. Voilà, c'est parfait. Donc, alors, comme je disais, au départ, donc, notre journaliste japonais, Goshi Osoda, donc, voulait justement détecter les tendances. En fait, il en détectera trois. La court terme, la moyen terme et la long terme. La court terme, en fait, eh bien, c'est le Tenkan, tout simplement. Comment est-ce qu'elle est calculée? Ah, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors, je vais utiliser mes outils de tracé. En fait, donc par défaut, si je ne me trompe pas, voilà, le Tenkan a une période de 9. Donc sur cette courbe ici, donc, je vais prendre mes outils de tracé. Voilà, je vais prendre, admettons, du noir. En gros, très bien. En fait, eh bien, on prend 9 périodes. Donc alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On prend donc les 9 périodes qui sont là. OK? Donc de cette bougie verte à la bougie rouge, donc la dernière aujourd'hui. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va prendre, hop, le plus bas. Donc là, je vais le prendre ici. Le plus bas qu'il y a eu donc, pendant cette période, donc qui se trouve là. Et bien sûr, donc le plus haut, je vais le prendre en vert, le plus haut de la période, donc qui se trouve ici. Tout simplement. Lui, il en fait tout bêtement une moyenne. Donc on voit visuellement, hein, la courbe Tenkan, qui se trouve juste ici, se trouve vraiment entre ces deux points. Donc là, pour lui, eh bien, ça représente vraiment la tendance très court terme de la valeur. C'est celle qui va bouger plus ou moins le plus lorsqu'on est surtout en range, par exemple. Elle suit vraiment fortement les cotations. Elle est plus rapide que les autres. OK? Donc ça, c'est la Tenkan. Ensuite, on va avoir donc la Kenjun, la Kijun, pardon. Excusez mon japonais, hein. Pourtant j'ai travaillé toute la journée là-dessus, mais bon, je suis pas sûr du résultat. La Kijun, c'est laquelle? Ça va être la courbe qui est violette. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. La courbe violette, en fait, eh bien, c'est tout simple. C'est plus ou moins, mais c'est même pas plus ou moins, c'est la même interprétation que la Tenkan. C'est-à-dire que elle, comme elle représente tout bêtement le moyen terme, forcément la période sera rallongée. Et donc, la période par défaut du Tenkan, c'était 9. Pour le Kinjun, c'est 26. Donc là, très clairement, si je dois tracer également une ligne, tiens, je vais la mettre en violette, là, je vais avoir ça, oui. Donc alors, je vais prendre une, hop, je vais prendre ça, je vais mettre en gras. Alors, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Donc je prends de cette bougie verte ici jusqu'à la rouge. Là, c'est identique. En fait, eh bien, je vais prendre tout bêtement, hop, comme ceci. Je vais prendre le point bas qui se trouve là. C'est le point bas vraiment de cette 26 périodes. Le point haut qui est ici. Au niveau des calculs, en fait, bien sûr, ça diffère un tout petit peu. C'est-à-dire que là, on fait la moyenne. On fait le plus haut plus bas. Donc divisé par 2 sur les 26 périodes, tout simplement. Et donc là, visuellement, on est représenté donc ici. Juste là, sur ce point-là. OK? Donc ça, c'est la moyen terme, finalement. Je supprime toutes les figures. Et enfin, donc, la dernière figure, concernant donc cette fois-ci le long terme. Là, ça va être, hop, si je me trompe pas, c'est le, voilà, c'est bien ça, le Senkun Span B, qui lui, en fait, eh bien, est calculé sur 52 périodes. Ouais, c'est ça, 52 périodes. Par défaut, j'entends, hein. Le Senkun Pad B, en fait, est bien représenté par la courbe bleu grisé. En fait, si vous regardez ma souris, c'est vraiment le top du nuage de Kumo. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est sur 52 périodes. D'accord? On prend le plus haut, le plus bas sur 52 périodes et on en fait le tracé, tout simplement. OK? Ensuite,
Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre indicateur? Bien sûr, on va avoir le Sinku span ou appelé aussi le nuage de Kumo. Le nuage de Kumo, c'est vraiment le nuage, en fait, la surface située entre le Sinku A et B. D'accord? C'est comme qui dirait une bande de Bollinger ou une bande de Keltner, mais à la japonaise. D'accord? Tout simplement. En réalité, c'est vraiment les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger de chez eux. Ok? Mais vraiment, c'est pour vulgariser un petit peu la chose. Hein. Alors maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est bon, c'est bien beau tout ça. On a court terme, moyen terme, long terme, donc on nous détecte la tendance. On a bien sûr le nuage de Kumo. Vous remarquerez que le nuage de Kumo également est donné dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, il est clairement projeté dans le temps. Donc là, on verra tout à l'heure aussi à quoi ça sert ce nuage de Kumo dans le temps, parce qu'il y a vraiment une réelle signification, bien entendu, et on peut vraiment s'en servir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Quand est-ce qu'on se dit que, bah, par exemple, une valeur peut éventuellement avoir une tendance haussière, ou une valeur peut avoir éventuellement une tendance baissière? Eh bien, pour ça, il y a plusieurs types de signaux. Donc là, je vais vous les présenter vraiment au but de brut de pomme comme ça, ok? Il y a plusieurs conditions. Par exemple, pour qu'un signal haussier soit extrêmement fort, ok? Il faut que le prix soit au-dessus du nuage, qu'en même temps, il y ait un croisement du Tenkan supérieur au Kinjun, et ce croisement doit s'effectuer au-dessus du nuage, et en même temps que le Shiku soit au-dessus du prix. Bon, d'accord? Un signal haussier moyen, c'est le prix qui est au-dessus du nuage, par exemple, que le croisement du Tenkan soit supérieur au Kinjun dans le nuage, dit bien l'intérieur, et que le Shiku soit au-dessus du prix. Vous remarquerez quand même que ce n'est pas forcément très très évident de pouvoir détecter ça à l'œil nu, ou autrement, bien sûr, si vous avez fait une école de l'Ichimoku Kinkoyo au Japon. Sans ça, c'est vraiment pas évident de dire, ah ben là, on est où là? Bon, ça se croise ici, mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On est au-dessus du nuage, des conditions, on se trouve où? Vous voyez, c'est vraiment pas évident. Le but, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est que les marchés bougent très très vite. Donc, on n'a vraiment pas le temps de passer 3 heures sur une seule valeur. OK? Petite information. Vous remarquerez tout en haut de l'écran graphique qu'il y a un assistant visuel avec tendance long terme, tendance moyen terme, tendance court terme. OK? Je ne sais pas si vous voyez tous le petit cartouche, si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Déjà, petite anti-sèche. En mettant la souris sur le petit graphique présent dans l'assistant visuel, eh bien, on vous redonne l'aide sur l'indicateur Ichimoku Kinkoyo, donc de 1 à 6. On a le Tenkan en orange, le Kinjun en violet, en bleu, on a le Sekun Span A. Pareil, on vous remet également les différentes périodes. Le Sekun Span B, donc sur 52 périodes. Le nuage du point, donc de Kumo. Et aussi, bien sûr, le Shiku Span, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est la ligne des prix qui est décalée tout bêtement de X période. Ça, c'est le X période, ça sera au choix dans la boîte de paramétrage, bien sûr, de la T-Expert Ichimoku Kinkoyo. Ça, je vous montrerai juste après. Bon. Ce qui est déjà très intéressant, ça nous aide énormément, c'est qu'il va nous donner valeur par valeur. Si je prends par exemple, je prends l'air liquide, admettons, j'ai la tendance long terme. On voit la fléchette qui tend vers le haut, donc c'est plutôt haussier. Tendance moyen terme, donc pareil, haussière. Et tendance court terme, plutôt baissière. Si je mets la souris dessus, à chaque fois, je vais avoir ici ce qu'on appelle un data sense qui me donne l'interprétation du signal pour chacun des indicateurs. Si je regarde la tendance long terme, on me dit que les cours sont au-dessus du nuage du point de Kumo. La tendance long terme est haussière. Moyen terme, c'est le Tenkan Sen qui est au-dessus de Kinjun Sen. La tendance moyen terme est haussière. Remarquez quand même que ça correspond plus ou moins déjà aux conditions que je vous ai citées tout à l'heure qui paraissaient un peu évidentes. Et juste en dessous, tendance court terme, les cours sont en dessous donc d'une Kentan et en dessous de Kijun. Donc la tendance court terme est baissière. OK? Pour la méthode de l'Ichimoku Kinkoyo, il ne faut pas oublier une chose, c'est le démarrage de ce que voulait le journaliste japonais Goichi Osoda. Il voulait des points d'entrée et de sortie surtout. D'accord? Direction de la tendance, là c'est bon, on l'a grâce à notre assistant visuel. Mais on voulait surtout des points d'entrée et de sortie de trade. D'accord? Et avec la force du signal. Donc pour ça, on va utiliser
l'outil informatique et surtout la Texpression Cooking Cuyo dans votre logiciel ou le Master XE, en passant premièrement, donc dans l'exemple, par la boîte de dialogue qui se trouve en haut. Est-ce que vous voyez toutes et tous la clé à molette et le petit marteau qui se trouve juste à droite de tendance moyen terme? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Merci. Donc, en mettant la souris dessus, je vais avoir le rappel des paramétrages de Ishimoku Kinkoyo. Paramètres de l'indicateur, période Tenkensen 9, Kijun 26, Shiku 52, bon, très bien. Et surtout, regardez les signaux détectés. On a les signaux haussiers et baissiers, divisés en 3. Zone 1, des prémices, zone 2, l'indécision, zone 3, la confirmation. Pareil, zone 1, prémice pour la baisse, indécision pour la baisse, confirmation pour la baisse. D'accord? Mais je vais vous donner une information. Ça, par contre, si vous voulez bien le noter, parce qu'il me semble que c'est vraiment très, très important. On voit paramétrage de l'indicateur 9, 26, 52. Mais qu'est-ce que c'est que ces 9, 26, 52 et surtout d'où est-ce que ça sort? Donc là, justement, je vais vous donner la véritable approche de cela. C'est-à-dire que au niveau du principe du calcul de Ishimoku Kinkoyo, j'entends bien à l'époque, en 1969, hein, de 69 à peu près à 85, 90. C'est-à-dire que ça se basait sur trois horizons de temps, d'accord? Donc X, Y, Z. Pour les trois variables temporelles, l'auteur, donc qui était donc notre fameux journaliste Goichi Osoda, lui, en fait, eh bien, il conseillait de choisir respectivement les durées de 9 jours, 26 jours, 52 jours. Mais n'oublions pas une chose, c'est que lors de la création de cet indicateur, il y avait à l'époque 6 jours de trading dans une semaine. Donc, ça veut dire que ces paramètres correspondaient donc à une semaine et demie pour l'analyse court terme, un mois pour l'étude à moyen terme et surtout 2 mois pour du long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas 6 jours de trading dans l'idée. Aujourd'hui, les places financières sont ouvertes 5 jours par semaine. Il faut qu'on s'adapte à ça. Et bien, pour s'adapter, on peut choisir alors des périodes de 7 jours, 22 jours et 44 jours sur les graphiques quotidiens. D'accord? Comme pour d'autres indicateurs, les paramètres doivent être bien sûr ajustés en fonction de la périodicité de vos graphiques. Ok? Donc je répète, par défaut, pour la méthode vraiment pure qui a été créée à l'époque, c'est du 9, 26, 52. Aujourd'hui, comme on est sur du 5 jours et non plus du 6, dans ces cas-là, préférez peut-être 7, 22 et 44. Donc 7 pour le Tenkan, 22 pour le Kinjun, et bien sûr 44 pour le Senko. Okay, je vais vous montrer la différence visuellement après sur le graphique, vous allez voir, c'est assez bluffant tout de même. Alors, je rentre dans mon dialogue de paramétrage. Donc, comme partout dans le logiciel OneMaster XE, et surtout donc dans toutes les méthodes prêtes à l'emploi, quelles qu'elles soient, ici nous sommes sur la Texpression Ishimoku Kinkoyo, on va pouvoir modifier, bien sûr, dans les différentes boîtes de dialogue, eh bien, les périodes de temps, les périodes de calcul de nos indicateurs. Mais surtout, on va pouvoir sélectionner des signaux. Okay? Donc là, j'ai deux options. Détecter tous les signaux ou sélectionner les signaux. Est-ce que vous voyez toutes et tous cette boîte de dialogue qui apparaît? Si vous pouvez cliquer, par exemple, intérieur de zone 1 prémisse, s'il vous plaît. Et pour la tendance haussière, j'entends. Voilà, c'est juste en dessous. Voilà, c'est très bien, c'est ici. Donc là, par exemple, je me suis mis en mode sélectionner les signaux. Donc c'est moi qui sélectionne. Donc là, je vais cocher zone 1 prémisse. Et je vais cliquer sur valider. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais ouvrir directement. Hop. Voilà. Je vais retourner donc dans le passé. Alors j'attends qu'il y ait le calcul, bien sûr, du market analyzer juste à gauche. Voilà. Alors là, est-ce que vous remarquez certaines choses sur l'écran graphique qui ont pu apparaître sur la courbe des prix? Là, je vous laisse avec votre clic gauche de la souris. Voilà, parfait. Là, automatiquement, il nous détecte un signal qui, on l'a coché, hein, c'était un signal donc de prémisse. Qu'est-ce que c'est que le signal de prémisse? Eh bien, pour ça, regardez, il me suffit juste de mettre la souris dessus et on a, pareil, la T-Sense qui nous donne l'analyse du signal. Zone du signal, niveau 1, zone 1, prémisse. Le 26 novembre 2012, 17h45, au cours de... Si les cours franchissent à la hausse la zone de résistance représentée par le nuage de Kumo, le signal haussier sera alors validé. Alors une tendance haussière sur la valeur est en préparation. À chaque fois, on vous donne l'interprétation du signal. Je vais prendre par exemple une autre valeur.
Je vais prendre voilà, Alstom. Oui, pour Alstom, là pareil, on va avoir les signaux qui sont détectés. Bon, je retourne dans la boîte de paramétrage et là je vais demander maintenant les zones numéro 2 dites d'indécision. Je valide. Voilà, je vais changer de valeur. Je vais mettre par exemple sur le CAC 40. Est-ce que vous voyez les signaux qui viennent d'apparaître sur l'écran graphique? Si oui, si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Parfait, merci. Voilà. Donc là, petite parenthèse, en même temps, je vois donc dans le chat en direct, on parle de Forex, etc. Tout à l'heure, eh bien, je vous montrerai justement comment il peut réagir sur le marché d'échange, donc sur le Forex. Hein, d'accord? Là, c'est vraiment pour vous montrer ici les différents signaux, donc d'indécision, prémisse et confirmation. Donc là, pareil ici, dans le signal haussier, donc dans la zone 2 d'indécision, le croisement entre Tenkan et Kim Jun intervient dans une phase d'indécision. Les cours sont à l'intérieur du nuage de Kumo. Dans le cas d'une sortie vers le haut de la zone donc de fluctuation Kumo, on assiste à un début de tendance haussière sur la valeur. Regardez ce qui se passe. Il passe ce nuage et effectivement, il y a bien une tendance haussière qui a été confirmée. D'accord? Et enfin, on a la zone numéro 3 qui est la zone dite de confirmation. D'accord? Et là, si je mets la souris dessus, on me dit que le signal de croisement entre Tenkan et Kim Jun vient de confirmer la tendance haussière de fond. Tant que la zone de Kumo sert de support à la hausse des cours, la situation est maîtrisée. Bien entendu, je ne vous le cache pas, si on est en zone 3 de confirmation, il y a déjà un petit morceau de hausse qui a été effectué. D'accord? Ça, c'est pour celui vraiment qui souhaite être dans le mode secure, qui souhaite être sécurisé pour pas prendre trop de risques. Pour celui qui aime prendre des risques, mais en même temps, si jamais le signal fonctionne, alors prendra la hausse pratiquement du début jusque la fin. Dans ce cas-là, vous allez préférer prendre la zone numéro 1, prémisse. Donc moi, je vais afficher les trois zones en même temps. Donc là, je valide. Voilà. Je vais prendre par exemple le CAC 40. Donc là, ici, on va attendre donc la validation. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc les trois signaux qui vont apparaître directement sur l'écran graphique. Voilà. Alors attendez, je vais juste regarder une petite chose, voir si je peux en même temps vous sortir donc tout ça sur le Forex pour venir montrer justement que lorsque l'on va finalement modifier, vous savez, les périodes de temps en 7,44, et vous allez voir comme c'est assez bluffant tout de même. Alors je vais ouvrir. Donc là, le calcul est terminé, ok. Hop, je vais ouvrir donc le marché d'échange. Donc je vais prendre, admettons, Forex Sélection dans l'idée. Toc, 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 à F, c'est mieux. Forex Sélection, ouvrir. Donc là, j'ai mes paires donc, de change qui sont juste ici. Je vais afficher zone 1, zone 2, zone 3. Je valide. Voilà. Alors, remarquez, alors tout ça, par contre, là, je vous invite vraiment à vous concentrer sur les différents signaux. Là, on voit ici, par exemple, signaux de hausse, signaux ici de hausse, signaux de hausse, de hausse. Je vais modifier maintenant les périodes. Alors, ça va aller vite, hein. Donc là, du 9, je passe au 7. Du 26, je passe au 22. Du 52, je passe au 44. Vous voyez, très simplement, je peux modifier les périodes. Ce qui est très très bien, on le verra après, c'est que les market analysers aussi prendront en compte tout ça. Là, je valide. Automatiquement, vous voyez que le nuage a bougé et les signaux également ont été bougés. C'est-à-dire que là, on prend la hausse légèrement avant, quand même. D'accord? Mais vraiment, de quelques jours. Là, on est en données journalières. Mais si, par exemple, je prends en unité de temps en une heure, voilà. Regardez en une heure. Là, on est vraiment adapté au monde d'aujourd'hui, hein, entre guillemets. Et surtout aussi par rapport à la rapidité qu'on va utiliser selon les marchés. Là, on est sur l'euro franc-suisse, par exemple. Ça bouge énormément. Là, remarquez quand même que si jamais vous suivez ce type de valeur avec les signaux donnés par la méthode de Shinpo Kinkoyo, il y a vraiment que peu de risques à ce que votre portefeuille grossièrement dégringole. Là, ici, le but, c'est d'avoir une méthode complète de A à Z. D'accord? Là, on a le prémisse, donc plus risqué, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne. On a l'indécision et surtout la confirmation.
remarquer tout de même ici, hop, si je prends mon niveau donc de pourcentage, voilà. Si je suis, admettons, je suis en mode secure, d'accord? Je suis pas un foufou furieux. Je préfère attendre la zone 3 de confirmation, quand je suis vraiment au-dessus du nuage de Kumo. Là, je me mets, donc admettons, pardon, je me suis trompé, je me mets sur ce signal-là, admettons au milieu, voilà, là je suis ici. On a 0,53%, on est en 1 heure, donc depuis le 3 jusqu'à aujourd'hui, donc 17 h, donc en 2 jours, 0,53%. Sur les devises, c'est énorme. Okay? Si je prends par exemple l'euro-dollar, là, je vais me mettre en unité de temps, par exemple, très court terme, admettons, je sais pas, en 15 minutes. En 15 minutes, je vais pouvoir attraper tous les petits monceaux, par exemple, de hausse. D'accord? Là, c'est pareil, c'est vraiment énorme. Alors, bien sûr, on fait la hausse, mais il y a aussi la baisse. C'est-à-dire que là, vous pouvez sélectionner les zones 1, 2, 3, donc prémisse, indécision, de confirmation par rapport à la méthode d'Ichimoku Kinkoyo, mais pour la baisse aussi. Et là, c'est identique, mais à l'inverse. OK? Ce qui est vraiment très, très intéressant. En plus de cela, c'est que vous n'allez pas regarder valeur par valeur, parce que le but, c'est pas d'arriver ici, le but, c'est d'arriver lorsque le signal est détecté sur l'écran graphique. Je pense que vous serez d'accord avec moi, sinon ça n'a aucun intérêt. Okay? Là, ici, c'est qu'on va utiliser, donc là, c'est normalement, il y a le roulement de tambour, etc. Là, je vous montre. Donc pour ça, je vais utiliser, par contre, j'en suis désolé, parce que là, pour ce soir, j'ai pas de signaux. Vraiment pile poil là à 17 h, il est quelle heure? 18 h 07. Donc je vais prendre une liste qui s'appelle Ichimoku. Dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le marché du CAC, le SRD, SRD Long Only, l'AEX et le BEL 20. Voilà. J'ai fait vraiment un melting pot de tous ces marchés-là. J'en ai créé une liste personnelle pour avoir un maximum de valeur et surtout pour pouvoir vous présenter donc des signaux en cours. J'espère. Oui, super. Le but pour vous, c'est quoi? C'est pas de lire et donc de perdre du temps, ce que je disais au départ par rapport à la méthode, qui est très très bien, c'est une très très bonne méthode. Mais si par exemple on n'a pas d'expérience au niveau visuel, on peut perdre beaucoup beaucoup de temps et vraiment se mélanger les pinceaux. Là, vous avez votre AT Expert qui vous donne tout tout de suite. Si je me mets par exemple sur Néopost, on me dit long terme, donc c'est plutôt stagnant, moyen terme, hausse, court terme, hausse. Aujourd'hui, on est en quel type de signal? Si, tant et bien sûr qu'il en détecte un. Détection des signaux Ichimoku. Là, le Tenkan-sen passe au-dessus du Kinjun-sen. On est en mode d'indécision, en zone numéro 2. Les cours sont dans le Kumo. OK? Donc là, il y a juste à lire l'analyse de signal. Le croisement entre Tenkan et Kinjun intervient dans une phase d'indécision. Les cours sont à l'intérieur du nuage de Kumo. Dans le cas d'une sortie vers le haut de la zone de fluctuation Kumo, on assiste à un début de tendance haussière sur la valeur. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire tout bêtement? Admettons, vous intéressez à faire que de la hausse. Vous allez utiliser, dans l'idée, hein, bien sûr, je ne vous force à rien, mais je vous incite fortement quand même à utiliser les outils de votre logiciel, à savoir l'organiseur boursier. Regardez, est-ce que vous voyez toutes et tous à gauche ABCD? A, B, C et D. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Là, ce que vous pouvez faire, par exemple, parce que le but, bien sûr, là, vous avez la détection des signaux. On est en zone 2 d'indécision. C'est aujourd'hui, d'accord? Le 5-09 à 17 h 20. Mais ça veut dire que demain à 17 h, finalement, Néopost disparaîtra de la liste puisqu'elle ne sera plus en nouveau signal. OK? Eh bien, dans ces cas-là, vous vous dites, là je suis en zone 2, et eh bien je vais la mettre dans une liste B, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve en zone d'indécision, vous le mettez en B, que ce soit la hausse, enfin, le mieux c'est de faire une liste pour la hausse, une liste pour la baisse, pour pas tout mélanger, d'accord? Mais au moins comme ça, le lendemain, eh bien vous analysez vos signaux. Comme là ça va, on est en moyen terme. Donc, bon, vous pouvez attendre par exemple 2-3 jours avant de passer votre ordre. S'il y a à passer un ordre donc sur la valeur. Mais lorsque l'on est en intraday, puisque sachez que vos market analyzers travaillent aussi en intraday, je vais me mettre par exemple sur le CAC et je vais demander à ce qu'il me calcule ça en 1 heure sur un mois. Là, pareil sur mon écran graphique. Voilà. Là, si je prends par exemple Valourec, je vois que là, on est en mode indécision. Tiens, par contre, Total, un nouveau signal. Par contre, lui, un petit peu plus risqué.
saison 1 prémisse. Donc là, on est en force 1. Si les cours franchissent à la hausse la zone de résistance représentée par le nuage de cumul, le signal haussier sera validé. D'accord? On voit que là, on est vraiment très très proche. Alors, une tendance haussière sur la valeur est en préparation. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est-à-dire que là, vous avez un outil idéal pour plusieurs choses. D'une, qui va coller fortement à votre timing d'intervention. Et de deux, qui va vous aider fortement à sortir de toute une liste d'un marché, eh bien, les valeurs répondant tout simplement à la méthode de Ichimoku Kinkoyo. OK? Donc là, vous avez vraiment tout en main pour pouvoir suivre vos valeurs et surtout par rapport à cette méthode qui est formidable. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des devises. Tiens, est-ce qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur les devises? Si vous pouvez mettre un O pour oui, un N pour non dans le dialogue en direct sur votre droite, s'il vous plaît. Alors, oui, non, non, oui. Au moins, c'est moite-moite. J'ai plus de noms que de oui quand même. Ah, j'ai quand même plus de noms, hein. D'accord. Alors, juste pour répondre à ceux qui travaillent sur le marché d'échange, donc là, vous lancez par exemple la liste Forex sélection, tout simplement. Je clique sur oui. Là, il va me calculer la méthode de Ichimoku Kinkoyo dans mon supermarket analyzer. Je vais tenter de vous trouver hop, des signaux qui apparaîtraient éventuellement donc dans le market analyzer. Ce serait pas mal. Non, à tous les coups. Alors ça, vous voyez, c'est les aléas du direct. C'est un peu comme Bonaldi ou Patrick Kermouze. Dès qu'on montrait quelque chose, il n'y a pas forcément le signal. Là, aujourd'hui, donc il est quelle heure? 18h30. C'est ça qui peut être vraiment embêtant. Voilà, bon, et dernier essai, après tant pis, je passerai à autre chose. Eh bien non, malheureusement non. Malheureusement non, peut-être en 4 heures. Voilà. Non, malheureusement non. J'ai pas de nouveaux signaux, j'en suis navré. Mais en tout cas, vous voyez, si je prends par exemple en heure, et en heure, ça marche vraiment très très bien pour ceux qui font donc des devises. D'ailleurs, je crois, il me semble, hein, par expérience, que par rapport à tout ce qu'on me rapporte aussi sur la méthode Ichimoku Kinkoyo, elle est surtout aujourd'hui en 2013, j'entends bien, c'est drôlement plus, parce que je trouve que c'est une mode, c'est drôlement plus une mode de l'utiliser sur le marché des devises. Mais ça marche très très bien aussi sur les marchés actions, SICAV, FCP, ça marche vraiment sur tout type de produits boursiers. Hein, d'accord? Ce qui va être aussi très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, comme je disais, l'adapter vraiment à votre période de temps, votre timing d'intervention, la semaine, le jour, bref, absolument tout. Par exemple, là, voilà, j'ai un nouveau signal en weekly, donc sur l'USD Japan. Voilà, donc là, après, il y a juste à suivre au niveau de la méthode de Ichimoku Kinkoyo. Bien entendu, ce qui est aussi très très intéressant, comme vous avez ici un logiciel simple, efficace et très puissant qui est Wellmaster XE avec des méthodes prêtes à l'emploi comme Ichimoku Kinkoyo, eh bien vous allez pouvoir par exemple confirmer la méthode de l'Ichimoku Kinkoyo avec d'autres méthodes prêtes à l'emploi comme par exemple détection des retournements, puisque là n'oublions pas l'Ichimoku Kinkoyo c'est quand même une méthode de détection de tendance, d'accord? Donc ce qui est très intéressant c'est d'utiliser dans l'idée, hein, eh bien, les divergences qui vous détectent les retournements de tendance, d'accord? Si par exemple on est en fin de tendance haussière, comment le savoir? Eh bien, tiens, toc, si j'ai une divergence baissière, j'analyse après avec les tracés de support résistance, etc. Donc, c'est que la valeur va se retourner plutôt à la baisse. Là, par exemple, je vais pouvoir utiliser les divergences pro. Voilà, je l'affiche simplement donc dans les graphiques. Toc. Là, alors bien sûr, je vais le mettre plutôt à gauche, comme ceci. Alors, voilà. Donc, par exemple, vous voyez ici, là, si je prends ce segment-là, juste pour vous donner une idée, hein, de comment justement on peut lier le tout, voilà, je vais le dégrossir un tout petit peu. Là, vous voyez, on était plutôt en tendance dite baissière, ok? Tendance baissière sur du très long terme, parce qu'on est en weekly, on est en semaine. Toc, 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 toc. Là, il me présentait justement un signal baissier, mais ce signal baissier, il sera baissé jusque quand? Vous mettez justement un petit coup de divergence. Bon, là, dans l'idéal, bien sûr, ça fonctionne. Là, on représente ensuite une divergence directement sur l'écran graphique, ce qui présente un retournement de tendance. Qui dit retournement de tendance, comme on était plutôt en baissière, donc on s'attend à ce qu'il y ait une remontée, donc une hausse du titre.
effectivement, qui a eu un petit peu de mal à se faire, mais qui est remonté ensuite progressivement. Et après, avec la confirmation ici, donc du signal de l'Ichimoku Kinkoyo. Si je reviens plutôt, par exemple, en journalier, vous voyez, en journalier, ici, on avait plutôt avec l'Ichimoku Kinkoyo, je vais l'entourer, comme ceci, on avait plutôt un signal de hausse, d'accord? Ici. Mais la hausse, ça sera là jusque quand? Donc, bien sûr, après, à moins d'avoir un super money management, vous arriverez justement à identifier la fin de la hausse en haut. Mais autrement, vous utilisez ici l'assistant visuel des divergences pro. Tiens, voilà, par exemple, sur le RSI, s'il y avait une divergence baissière, toc, directement derrière, ça déroule. Okay? Plus après, on a un petit coup d'avance par rapport au signal baissier donné par l'Ichimoku Kinkoyo. L'Ichimoku Kinkoyo, comme c'est un indicateur de suivi de tendance, qui confirme cette tendance baissière détectée par ce retournement des divergences, par exemple. D'accord? Voilà, très simplement. Donc, juste pour répondre en même temps à Raymond, divergence par rapport à quoi? La divergence, entre autres, par rapport au RSI, ici, dans l'idée, hein, bien sûr. Après, les divergences sont détectables, mais ça, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais je vais quand même répondre. La divergence sont détectables sur trois indicateurs simultanément, sur quatre indicateurs simultanément, par défaut et sans modifier le module des divergences, c'est RSI, stock, WTI et MACD. Voilà. Donc alors, là ici, vraiment pour conclure sur la méthode de l'Ichimoku Kinkoyo, déjà il faut savoir qu'à lui seul, c'est un système complet de suivi de tendance. Son efficacité peut encore être améliorée en filtrant les signaux avec vos propres critères, puisque là, par exemple, ici, en prenant la boîte de paramétrage, vous filtrez très simplement, vous demandez que les zones 1 prémices ou vraiment que les zones 2 d'indécision, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre propre méthode de travail. Et c'est surtout la raison pour laquelle toutes les ressources incluses dans l'AT Expert, donc Ichimoku Kinkoyo, peuvent vraiment être utilisées aussi dans d'autres market analyzers Wellmaster. Et aussi sur vos propres écrans personnels, si par exemple vous avez créé un espace de travail avec votre méthode de travail, ou même utilisé, comme je disais, un autre AT Expert, eh bien, vous pouvez vraiment, c'est comme un système de Lego, vous pouvez, eh bien, imbriquer le tout. D'accord? Vous pouvez rajouter des colonnes, rajouter la colonne de détection de signaux dans le market analyzer des divergences, ou même dans votre propre market analyzer, par exemple. Là, vous avez absolument tout. Pourquoi suivre très clairement les marchés, je dis bien n'importe quel marché, sur tout timing d'intervention, court terme, moyen terme, long terme. Et cette méthode qui, à l'approche, paraît vraiment peu évidente, avec toutes ces lignes qui apparaissent sur l'écran graphique, eh bien, je vous garantis qu'avec la détection des signaux d'Ichimoku grâce à votre market analyzer, vous gagnez énormément de temps. Qui dit gagner du temps, dit aussi gagner de l'argent. Voilà. Alors donc, n'oubliez pas que pour ceux qui n'ont pas, par exemple, ne serait-ce que le module de l'AT Expert Ichimoku Kinkoyo, je vous présentais ici l'offre que l'on fait sur le site waldata.fr dans la rubrique produits. Alors, je clique dessus. Alors, si je parle déjà, ceux qui ont le Wellmaster XE et qui souhaitent acquérir Ichimoku Kinkoyo, eh bien, vous avez 147 euros de réduction, donc c'est à 148 euros au lieu de 295 euros le module. Donc là, je vais vous mettre le lien en direct, et donc ça, c'est jusqu'au 15 septembre. Je vous mets le lien en direct, d'accord? Pour ceux qui ont le logiciel, mais qui n'ont pas la méthode. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel et qui n'ont pas la méthode, vous avez un pack outils plus méthode qui est présenté ici à 798 euros au lieu de 998 euros. Donc là, pareil, il ne faut vraiment pas hésiter à en profiter. Hop, je vous mets le lien en direct, toc, qui se trouve donc juste sur la droite. Ou autrement, si vous avez d'autres questions sur l'AT Expert, par exemple Ichimoku Kinkoyo, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là jusque 19h15, 19h30 pour répondre à toutes vos questions. Petite parenthèse, si ce sont des questions par rapport à, entre guillemets, du support technique, dans ce cas-là, je vous inviterai plutôt à me recontacter demain matin à partir de 8h30. Puisque là, comme c'est plutôt, on va dire, perso, je prendrai la main sur votre ordinateur, on regardera ça ensemble tranquillement. D'accord? Mais si vous avez des questions pour acquérir le module ou même acquérir le package, donc logiciel plus méthode, n'hésitez surtout pas, je vous remets le numéro de téléphone, hop, dans le chat en direct. En tout cas, donc, je vous remercie vivement de votre présence, de votre participation. J'espère que vous aurez appris des choses, en tout cas ce soir, lors de ce webinaire sur l'AT Expert Ichimoku Kinkoyo.
N'hésitez pas donc à nous contacter. Je vous ai mis le téléphone ici. En tout cas, une très très bonne soirée, bonne fin de semaine et bon week-end, et à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wallmaster XE. Merci et au revoir.